J'habite ici depuis bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans au mois d'août exactement. J'ai commencé ma vie ici, entre guillemets, en tant qu'étudiante. Et ensuite, l'année d'après, j'ai basculé en tant que jeune active. Oui, ben nous vivons ici depuis 2017. On avait visité avant. Et il y a eu 3 logements témoins qui étaient terminés ou sur le point d'être terminés, que nous avons visités, nous avons fait notre choix. On arrive ici et puis on se sent tout de suite bien. On peut bavarder, discuter tout et n'importe quoi. Et ça permet de rompre avec la solitude qu'on peut rencontrer lorsqu'on est étudiant ou quand on ne connaît pas grand monde sur le secteur. On a tout sur place. C'est un gros avantage par rapport à nous qui habitions Sérilly avant. Il y a à peu près tout ce qu'ils font moi, pour ce qui m'intéresse, c'est le cinéma et la belote. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a des cours de cuisine, il y a beaucoup de choses. Il est certain que Sainte-Thérèse et Bon Pasteur communiquent ensemble au niveau des repas. Le fait d'avoir une grande salle commune, ça permet vraiment de partager et de passer de très bons moments, que ce soit en cuisine ou via les activités proposées comme le coloriage ou des fois il y a des blind tests. Actuellement, nous avons un billard et un jeu de fléchettes qui apporte aussi un plus. Dans le jardin, en principe, les bonnes années, on trouve à peu près de tout. On a ce qu'il faut pour arroser, on a tout. On est bien équipé quand même. Donc, proche de la résidence Bon Pasteur, on dispose d'un réseau de bus. On est assez proche de différentes écoles, plusieurs commerces à proximité et proche de la gare. L'hôpital est à proximité à 5 minutes et ainsi que le complexe sportif qui est à 10 minutes, un quart d'heure à pied. Ah, c'est très très bien organisé. Alors, et l'accueil, alors il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec l'accueil. Et ils sont vraiment à la hauteur, ils sont au top. Hein. C'est une résidence qui est très accueillante et très familiale. On s'y sent très rapidement comme chez soi, si je puis dire. On a quand même des bâtiments neufs, il y a le confort, il y a tout ce qu'il faut. On n'a vraiment rien à redire.